La nouvelle annonçant la mort du chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules de la radio Espace FM, Ahmed Kourouma, très tôt dans la matinée, a pris de court le monde des médias. Sa disparition brutale a surpris même sa tante Hawa Keïta, ancienne directrice générale du port autonome de Conakry. Elle a été jointe au téléphone par les frères du chroniqueur Ahmed Kourouma. Elle a été jointe au téléphone par les frères du chroniqueur Ahmed Kourouma à 6h du matin pour l'annoncer sa mort. Ahmed Kourouma, il était plein de vie. Il était difficile de savoir exactement de quoi il souffrait parce qu'il ne se plaignait pas. Quand il venait à la maison, c'était de l'ambiance à la maison. Il mangeait et partait. Et ça faisait quand même 3-4 jours, puisque moi j'étais un peu souffrante, que je n'avais pas eu de ses nouvelles. J'avais appelé, mais son téléphone ne passait pas. Et hier nuit, vers 0h, on m'a appelé qu'il a été admis à l'hôpital parce qu'on l'a trouvé évanoui dans sa maison. Comme il se faisait tard, il était 0h. Moi, je ne pouvais pas sortir pour aller cette nuit là-bas, vu la sécurité. Hein. Donc, j'ai dit que demain, je partirai là-bas. Et malheureusement, à 6h du matin, j'ai été rappelé pour dire par ses frères de Paris pour m'informer de son décès. Il y en a qui disent qu'il était diabétique, ce que moi je n'ai jamais su. Il y en a qui disaient aussi qu'il y avait un autre problème qu'on ne savait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les médecins m'ont dit qu'il avait eu des problèmes rénaux. Il avait une insuffisance rénale, c'est ce qui l'a emporté. Il a été marié en Europe, vous savez, les Ahmed sont nés et grandis en Europe. Il a fait toute sa carrière, ses études en Europe. C'est seulement en 2016 qu'il a décidé, ils ont décidé, son frère et lui, de rejoindre la Guinée, de connaître les parents, de rejoindre le pays. Ils sont venus, effectivement, ils ont été bien reçus. Et j'avoue qu'il s'est bien intégré. Son frère, par contre, n'a pas voulu rester, lui, il est reparti. Il a 3 enfants. Il a laissé 3 enfants, un garçon de 25 ans et 2 filles. Une de 11 ans et l'autre de 9 ans. Les obsèques pour le moment, on attend que la famille en France se prononce. Ils veulent rapatrier le corps. Donc, si c'est maintenu, on va faire toutes les formalités au niveau, parce qu'Ahmed c'est un Français, au niveau de l'ambassade de France, pour que le corps soit rapatrié. Sa fiancée, Néné Idrissa, est inconsolable. Il était un peu souffrant ces derniers temps, mais c'est sa mère qui m'a appelé hier pour me dire qu'il a fait une crise, qu'il est tombé, donc il a été transmis à l'hôpital Ambroise Paré. C'est ce matin qu'ils m'ont appelé pour me dire qu'il est décédé. Il était un peu souffrant quand même. Et Ahmed Kourouma, c'était une personne vraiment gentille, très sympa, intelligent, il aimait les gens. Il était très sympa, il aimait ce qu'il faisait, il aimait son boulot. Il était tout le temps là pour ses proches. Donc sa mort m'attriste vraiment. Je suis vraiment peinée. Vous êtes fiancée il y a combien de temps à lui? Il y a 4 ans. 4 ans. 4 ans que nous sommes fiancés. Du courage, nos sincères condoléances. Merci. Le défunt était également le cousin de l'ancien ministre Albert Damantan Camara qui a regretté la disparition d'Ahmed Kourouma. C'était un ami et il me rappelait tout le temps qu'au-delà de l'amitié qui nous liait, il était pratiquement un frère à moi, un cousin, puisque comme il me le disait, c'est mon père qui avait procédé à sa déclaration de naissance, mon père qui était ami à son père. Donc c'est comme ça que nous avons lié des liens très forts. Et que régulièrement nous échangeons. Donc c'est vraiment quelqu'un de très proche, c'est la famille. Et c'est très douloureux de l'apprendre de cette manière et d'être obligé en ce début d'année de venir présenter des condoléances pour quelqu'un avec qui on pensait pouvoir continuer à échanger des choses agréables dans le temps. Voilà, je suis très ému. Je pense à ses enfants qu'il adorait. Son fils avec lequel il jouait régulièrement en ligne. Voilà, c'est compliqué. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on regrette profondément ce décès et qu'il va nous manquer.
Le directeur général de FIM FM, accompagné d'une délégation, s'est rendu dans la famille Mortière pour présenter ses condoléances. Nous manquons de mots et de force ce matin pour dire ce que nous retenons de l'homme, mais un peu de mots, voici ce que je pouvais placer, ce que je peux placer comme témoignage ce matin. Et nos cœurs saignent, nos cœurs sont emplis de tristesse et sincèrement, c'est une perte cruelle. C'est une immense perte pour la Guinée, parce que Ahmed fut un digne fils de la Guinée qui s'est battu pour que la Guinée... Il était quelqu'un qui était contre, qui se révoltait contre la mauvaise gouvernance, contre les abus de pouvoir, les dysfonctionnements de façon générale dans la façon dont notre pays était géré. Et je suis tombé sur un de ses postes. Vendredi, c'est un de mes collaborateurs qui me l'a envoyé. Ça m'a vraiment refroidi ce jour-là. Je ne sais pas ce qui se cachait derrière lui, derrière ce message, ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'il est parti avec quelque chose qui le rongeait. Voilà, que Dieu ait pitié de son âme, qu'il repose en paix et que Dieu lui réserve une place dans son paradis céleste. Aucun programme n'a encore été établi pour les obsèques d'Ahmed Kourouma. Selon certaines indiscrétions, son fils aîné, âgé de 25 ans, souhaite à ce que le corps de son défunt père soit rapatrié en France pour son enterrement. Ahmed Kourouma, après son départ du parti groupe de Papa Koli Kourouma, a posé ses valises au groupe Adafo Media où il exerçait depuis août 2020.